Bonjour, nous sommes en Champagne-Ardenne, dans le département de la Marne, à Billy-le-Grand, chez Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Donc Nicolas, nous sommes en Champagne-Crayeuse, dans les terres de craie. Mais je vais te demander donc d'expliquer, de présenter ton exploitation. Alors on est sur une exploitation de 270 hectares de polyculture, blé, céréales, colza, betteraves, luzerne et fécule, et 2 hectares de vignes. Si tu peux aussi nous expliquer comment tu es venu au concept MCE. Alors j'ai connu le concept MCE de par mon voisin qui travaille avec le concept depuis 2014. Et donc moi en 2016, je me suis lancé dans le concept après avoir fait aussi une réunion technique en 2015. On est en Champagne crayeuse où le phosphore est peu assimilable. On a la caractéristique de la région, c'est d'avoir des taux de phosphore qui sont relativement faibles. Donc je vais te demander d'expliquer comment tu travailles avec le TMS et le TMF sur ton exploitation. Moi j'utilise le TMS que j'applique deux fois par an, une fois à l'automne, une fois au printemps, et le TMF sur culture à chaque passage, à chaque application, que ce soit des herbages ou fongicides. Comment se comportent tes analyses de sol depuis 6 ans que tu utilises le concept TMCE ? Alors ce qu'on constate, c'est qu'avec l'apport de matière organique et de TMS, on a des taux de phosphore qui se maintiennent et des taux de magnésie qui augmentent. Et en fait, c'est dû au bon recyclage de la matière organique par le TMS. Et au niveau des résidus de récolte, tu observes des choses également ? Alors on observe surtout sur les cultures de printemps, la mise en place des cultures de printemps, pratiquement absence de résidus des récoltes de l'année d'avant. Est-ce que tu observes des choses justement sur l'état sanitaire de tes céréales et comment tu pratiques ta protection fongicide ? Alors du coup avec le meilleur recyclage des pailles, on a une plus faible pression, on a des cultures en meilleure santé. Et ce qui me permet de réduire mon programme fongicide en céréales par 3. Et en appliquant le TMF avec chaque fongicide. Et comment tu utilises donc du coup le TMF Alors le sur TMF, culture en général. Je l'utilise en général à chaque passage associé avec que ce soit un désherbage, un fongicide, à une dose différente selon le stade de la culture, et pour accompagner le développement de la culture au fur et à mesure. Nicolas, nous sommes dans ta cuverie. Tu as aussi 2 hectares de vignes. Donc si tu peux nous expliquer. Quels produits tu utilises de la gamme TMCE et comment tu les utilises ? Alors, ce que j'utilise, c'est l'organo TMS que j'apporte au mois de février et le TMF que j'utilise à chaque passage de fongicide. Et quelles sont tes observations du coup sur tes parcelles de vignes ? Alors, ce que j'observe, c'est qu'avec l'apport de TMS, on a une meilleure vie du sol. On voit plus de turricules de vers de terre, une meilleure porosité de nos sols. Et ce qui me permet un travail plus facile de mes sols, surtout au printemps et avec des printemps secs comme on a eu cette année. Oui. Et c'est vrai que la problématique de certains viticulteurs cette année, on avait les sols très très secs avec le sec qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler, c'est quand même bien pour maintenir des terres, des parcelles propres. Parcelles propres, ouais. Et par rapport au TMF, quelles sont tes observations sur le comportement de la vigne tout au long du cycle de végétation ? Tout au long de l'année, on observe qu'on a des vignes plus vertes, qui poussent continue. Et en fin de campagne, au mois d'octobre, elles continuent à pousser plus longtemps, elles restent plus vertes plus longtemps. Donc ça leur permet de mettre plus de réserves de côté et une meilleure vigueur pour la reprise l'année d'après. Tu utilises le concept TMCE. Quels sont tes constats depuis 6 ans d'utilisation ? Alors moi, ce qui me plaît dans ce concept-là, c'est que j'ai une moins grosse dépendance aux engrais chimiques. J'arrive à réduire mon programme phyto sur certaines cultures assez drastiquement quand même. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive à produire autant qu'avant et plus sereinement. Eh bien, écoute, Nicolas, je te remercie d'avoir témoigné et je te dis à bientôt. À bientôt. Rendez-vous dans un prochain témoignage d'un agriculteur qui fait confiance au concept TMCE.